marcher sur la ligne, rester dans les rangs, être tolérant, respecter l'insigne, condamner l'errance, suivre les conseils et les consignes des puissants. Le taf ça conserve, allez-y jusqu'à l'épuisement. Et puis quoi encore, tu penses que j'extrapole, je vais te faire voir l'envers du décor. Dès l'école on te la ferme, tu veux penser par toi-même, eux veulent que t'exécutes les ordres afin de t'intégrer au système. Que tu deviennes le bon Yankee sans problème. Ouais, qui saura contenir sa colère. Celui qui se tue au taf pour une misère, qu'on incite à devenir faf pour l'empêcher d'être libertaire. Celui qui manifeste contre la burqa ou le mariage homo, mais jamais pour ses acquis sociaux. Jamais. Celui qui vénère le fric et tous ceux qui en ont, qui se verrait bien dans la peau d'un flic ou dans celle d'un maton. Celui qu'on prend en otage, qu'un crédit sur 30 piges et flippe d'être un jour au chômage. Celui qui paiera les dommages en cas de naufrage, s'il faut encore un énième plan de sauvetage. Celui qui est trop sage pour se soulever, qui préfère se saouler quand il sent monter la rage. Des gens comme ça, y'en a partout dans les parages. Je compte pas sur le jour où faudra forcer les barrages. Sors de ce décor, oublie le stress qui te dévore. Va voir en dehors où l'imagination déborde. N'attends surtout pas qu'on te l'accorde. Quoi? Sors de ce décor, oublie le stress qui te dévore. Va voir en dehors où l'imagination déborde. Ici ça sent la mort, c'est le Delbord. Sors de ta bulle et rends-toi à l'évidence. Putain de monde et ma boule et chacun souffre en silence. Faut que je me barre, que je prenne un peu distance. Et pas dans ce décor, je rêverai de finir mon existence. La course au profit, je te la laisse. Je suis occupé à comprendre le réel sens de nos vies. On est des esclaves, sans chaîne ni laisse. C'est l'heure de lever le glaive et d'oublier tous tes rêves de richesse. On bouffe la merde, on trime dans des boulots à chier. On est amer, donc on achète, mais on n'est jamais rassasié. On consomme, on dépense, mais on voit toujours pas le bonheur. Faut qu'on y renonce, si on capte pas qu'il se trouve ailleurs. Ailleurs, parce qu'ici c'est sombre et glauque. Putain quelle sale époque, t'étonnes pas que les gens débloquent. Et on arrive à faire des attentats, leur politique lamentable nous donne envie de tirer dans le tas. Sors de ce décor, oublie le stress qui te dévore. Va voir en dehors où l'imagination déborde. N'attends surtout pas qu'on te l'accorde. Quoi? Oublie les ordres, sors de ce décor. C'est rempli de trésors qu'on voulait que t'ignores. On disait que t'étais ignare, mais tu prends goût au savoir. Maintenant chaque soir c'est un nouveau livre que tu dévores. Tu te mets à défendre tes droits, à rejoindre le syndicat et les actions antifa. Tu prends du plaisir dans la lutte, aux côtés des camarades qui se battent pour de véritables buts. Tu lâches ton écran de télé une bonne fois pour toutes, et qu'on vienne plus t'en parler, t'en as plus rien à foutre. D'ailleurs tu comptes te barrer plus proche de la nature sans trop tarder, même s'il faut vivre à la dure. Faire du troc, de l'élevage et des plantations, pourquoi pas. Et puis sentir de nouvelles sensations. Un autre monde existe, loin des transactions. C'est que les prémices, mais sache qu'il est déjà en action. Sors de ce décor, oublie le stress qui te dévore. Va voir en dehors où l'imagination déborde. N'attends surtout pas qu'on te l'accorde. Quoi? Sors de ce décor, oublie le stress qui te dévore. Va voir en dehors où l'imagination déborde. Ici ça sent la mort, c'est le Delbord. La plume, Manny the Dog. Comme ça. Ça fait même 30 ans, t'as déjà dit ça fait 30 ans moi et mon mari. Mais 30 ans de vie de merde, ça fait 30 ans que le matin vous buvez un café de merde dans une machine électrique de merde qui vous fait mauvais café, que vous vous levez tôt et que le réveil vous réveille le matin et que vous prenez un bus de merde pour aller dans une usine de merde pour faire gagner du pognon, énormément de pognon à un gros con. Ce gros con il vous veut plus. Putain, mais peut-être rendez-vous compte que c'est peut-être la chance de votre vie quoi.